Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, on se retrouve sur Code QG pour une nouvelle et rapide vidéo. Une vidéo qui va vous parler de la sortie à venir de deux nouvelles maps, plutôt deux nouvelles versions de maps. La map Firing Range Night et Seaside Sunset. Ça arrive sur Black Ops 4 et je vous en parle tout de suite. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous informer que notre partenaire Instant Gaming avait lancé plutôt un Black Friday de folie sur leur site depuis hier soir minuit, avec des jeux allant jusqu'à moins 90%. Je vous passe les détails, je sais qu'aujourd'hui normalement on a Black Ops 4 qui est en promo. Il y a également des cartes Xbox Live et PS4 en promo. Je pense que ça serait pas mal que vous allez faire un petit tour sur leur site, il y a pas mal de choses. Et un concours devrait arriver pour le mois de décembre, pour Noël. Voilà, donc comme ça au moins ça c'est dit, c'est fait, on peut passer au vif du sujet. À savoir la sortie, ou plutôt le leak par un utilisateur Reddit, de deux nouvelles versions de map, donc Firing Range Night, qui serait une version tout simplement de nuit de la map iconique de Black Ops, et enfin Seaside Sunset, qui est une version plus sombre de la map Seaside, avec de la pluie également. On a quelques captures d'écran que je vous mets bien sûr sur la vidéo. Pour l'instant, aucune indication quant à la date de sortie de ces versions de map. Il semblerait que, à l'heure où cette vidéo est faite, ces maps seraient toujours en test, ce qui expliquerait pourquoi l'utilisateur les aurait trouvées dans le fichier de jeu sur PC. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ces maps vous donnent envie? Est-ce qu'au contraire vous aurez préféré peut-être avoir de nouvelles maps? Ou pensez-vous que au contraire c'est bien d'avoir des nouvelles versions comme ça qui, je pense, ont de fortes chances d'être gratuites pour tous? Voilà, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye.